Honorable chair. Monsieur le Président du Congrès, Monsieur le Secrétaire général, Monsieur le Secrétaire général adjoint du Congrès, Excellences, Mesdames et Messieurs les délégués, chers collègues, chers amis, bonsoir à tous. Je me trouve devant vous ravi de la confiance qui m'a été accordée par les membres de l'UPU et je remercie sincèrement les États membres qui ont soutenu ma candidature. Vous m'avez toujours encouragé tout au long de cette longue campagne d'élection. Je remercie tous les pays membres qui n'ont pas soutenu ma candidature. Vous m'avez rappelé qu'il ne fallait pas stagner, mais plutôt aller de l'avant. Je remercie les deux autres candidats, Monsieur Pascal Clivat et Monsieur Hammond, de qui j'ai beaucoup appris. Je remercie mon pays, le Japon, qui m'a appris comment nous pourrions contribuer au monde en tant que Japonais. Je remercie tous les membres de mon équipe de campagne, du ministère des Affaires étrangères, du ministère des Affaires intérieures et des communications et de la Poste japonaise. Grâce à vos efforts sans relâche, c'est grâce à vos efforts que je me trouve ici aujourd'hui. Et j'ai l'impression que vous êtes tous également assis à mes côtés. Enfin, je remercie ma famille qui m'a soutenu au cours de cette campagne qui a duré presque 3 ans. J'aurais aimé pouvoir annoncer ce résultat à mon beau-père qui a disparu en octobre dernier. Comme je n'ai eu de cesse de le dire, et j'en fais encore la promesse aujourd'hui, je me mettrai toujours au service de tous les pays membres de l'UPU en entendant la voix de chacun et en tenant compte de vos différences. Le cheminement qui nous attend ne sera pas simple. Néanmoins, comme l'ont fait nos prédécesseurs, nous devons nous adapter de façon appropriée à l'évolution de la situation et aller de l'avant en tant qu'organisation véritablement nécessaire pour ses clients et pour la société. Je demande tous les pays membres à garder la foi. C'est un avenir radieux qui nous attend. Bien qu'il semble sombre à l'heure actuelle, je m'efforcerai de saisir toutes les occasions et de collaborer avec vous, Monsieur le directeur, le vice-directeur général et le personnel du bureau, pour parvenir à nos fins. Et j'espère compter sur votre soutien et votre confiance. Alors que l'UPU célèbre son 150e anniversaire, et continue d'avancer, nous répondrons aux demandes de nos clients et de la société. Faisons progresser l'UPU ensemble. Merci.